Bien, quand j'étais jeune, mon père, il travaillait des maisons de type vieille, qu'aujourd'hui on appelle historique. Les moulures et les affaires qu'il y avait dans ces maisons-là, ça n'existe pas, ça. Faut que tu les fasses. Ça t'amène à toutes sortes de places. Tu t'en vas dans le bas du fleuve. J'ai été à Rézolo-de-Bé, Pont-Nemlette, à des villages perdus dans le Québec. Tu sens la population, ça, tu vois le genre de vie qu'ils mènent. C'est très, très important, ça, avant de jouer dans les affaires qu'ils utilisent, puis qu'on rénove. Quand ton objet, tu as fini de le faire, là, tu le regardes, là, il émane de lui quelque chose. Puis ça, tu sens ça dans ton esprit, c'est-à-dire l'âme. L'âme et l'esprit, c'est pareil. J'adore faire des affaires qui viennent me chercher en dedans, puis qui me permettent de m'épanouir et de grandir dans l'humanité. C'est ça, c'est moi, ça. C'est simple, mais c'est ça. C'est tout.